suis mort, c'est pas la pire des choses qui pouvaient m'arriver dans la vie. Jean-François, il s'investit beaucoup dans ce qui, dans ce qu'il dit, dans ce qui, dans son jeu. Et il est même impressionnant. Par exemple, en italienne, moi, il m'arrive de dire des phrases en pensant autre chose. En italienne, hein, sur scène, j'évite. Ça peut arriver qu'une idée me traverse la tête, mais j'essaye d'être vraiment dans ce que je dis. Et, mais en italienne, je le vois, il ne peut pas dire une phrase sans être comme s'il la disait exactement dans la vie, quoi. Enfin, et ça sort j'allais dire, du cœur. Enfin, ça, c'est toujours la bonne intention, très juste. Et voilà, il joue vrai. Voilà, avec tout, enfin, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Enfin, il a dû en faire des trucs, d'ailleurs. Et tout est là. Un peu comme Dieu, il a un lourd passé. Alors, ça, le personnage a de l'épaisseur, comme vous avez pu voir. C'est la première fois que vous vous voyez ensemble, tous les deux. Et quel partenaire de jeu avez-vous trouvé en la personne de Didier Bénureau ? Alors, il n'écoute pas. Comme je n'écoute pas. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais je trouve simplement... C'est tellement difficile de dire ça, mais je trouve exceptionnel. Wow. Exceptionnel, simplement. Non, mais si, dans l'écoute, dans l'énergie, c'est un plaisir complètement rare. Oui, oui. C'est-à-dire que la définition du théâtre, c'est quand même un type parle, l'autre écoute. C'est ça, le théâtre. Non, mais l'homme, il veut tout maîtriser, en fait. Ouais. C'est ça qu'il veut... supporte pas de... Mais rentabiliser quand même, c'est ça que... Rentabiliser, puis il veut... Parce qu'au départ, la nature, elle est assez bien faite, en fait. Ouais. Est-ce que les animaux se plaignent ? Enfin, oui, maintenant, à cause de l'homme, mais au départ.